J'ai rassemblé donc dans cette exposition des œuvres qui, pour la plupart, sont issues d'un travail que j'ai mené à Calais entre 2015 et 2017 dans un camp de réfugiés. C'était un camp qui était vraiment réellement une ville, un bidonville, une ville qui finalement concentrait toutes les problématiques de notre époque. Donc je passais du temps à documenter la vie quotidienne là-bas, mais aussi à discuter, à échanger avec les gens, à essayer de comprendre ce qu'ils vivaient et aussi replacer, comprendre ce qui se passait par rapport à nous ici aussi, qu'est-ce que ça pouvait signifier, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de ça. Et donc cette exposition, plutôt que montrer la vie quotidienne du camp, replace le spectateur dans cette expérience et crée un parcours qu'on emploie le futur proche pour parler d'une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. On l'utilise souvent à l'oral pour parler d'un changement à venir. Et donc là, le titre évoque l'idée de se rassembler et aussi de se rapprocher et de la nécessité en fait de revoir nos modes de vie, penser les structures dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles on s'imbrique, déconstruire nos traditions et essayer de reprendre part à la vie. Même si l'exposition crée un parcours, il y a une œuvre que j'ai réalisée plus récemment qui n'est pas directement liée à Calais mais qui finalement reprend tout des choses qu'on m'a transmises là-bas. C'est tout ce travail autour des banderoles de police qui se déclinent en différentes formes. Il y a une vidéo avec du chant, un poème que j'ai écrit qu'on chante avec 9 filles. Et en tissant des bandeaux police, il y a un costume fait à partir de ça. Il y a une photographie. Et j'aime beaucoup de cette œuvre parce qu'elle ouvre des perspectives. Cette œuvre évoque aussi la période des attentats qui était simultanée à Calais. Donc toute cette expérience que nous, on a vécue dans la ville de Bruxelles, avec la militaire, la police. Et elle renvoie aussi un espoir, le fait de se réapproprier ça et de pouvoir se remettre au travail, se remettre à vivre.